C'est en mode play. C'est maintenant que c'est en play. Ça peut enregistrer pour combien de temps? Aussi longtemps qu'on veut, je crois que ça peut faire. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était 45 minutes. Et j'ai une SIM card, une SD card plutôt. Oh, okay. Yeah. I got space. Samsung. Alright! Podcast. Oh, premier épisode de notre podcast. 8 mars. On va pas faire comme à l'école, de nous, c'est les dates. Non, tu aimes les formalités. Tu aimes les formalités. Moi, c'est Yannick. Yannick. Moi, c'est BP. Et tu Fox. La semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? Petit bilan de la semaine qui s'est passée. D'abord changer de compagnie, ça c'est d'abord genre la petite surprise. C'était un choc. Bon, on savait que ça devait venir, mais bon, on savait que ça devait venir, mais on ne savait pas quand exactement. On avait estimé que la compagnie devait être remplacée. Bon, moi j'avais estimé ça à la fin du mois de mars. Mmh. Ouais. Cancel quoi, l'event de la. On a cancel le bowling de la semaine. Oh, oui, par rapport à la CGH. Il y a le bowling qui devait arriver. De Houston. On a annulé le l'événement de bowling parce que. À cause des mauvaises news de propagation du coronavirus. Coronavirus! Yeah, donc pour être. It's real out here! En français, les gens. Enfin, ouais, le mot qui marche, c'est safe. À l'abri d'être exposé à ce virus, on a décidé d'annuler l'événement. Non, mais la panique aussi est ridicule. Ah, mais c'est pas ridicule. Il y a beaucoup qui ont. Comment dire ça? Il y a énormément à perdre. Si jamais tu prends le risque et il s'avère que genre. Bon, le truc c'est un genre de flow en fait. Yeah, mais c'est une mutation. Ah, mais du moins genre. Genre de flow et je, ça, n'ai pas encore fait. 20% de mourir en fait. Le truc, tu vois, ce qui m'embête. Mais malgré ça, le flow tue plus les gens que le coronavirus. Les gens paniquent par rapport au coronavirus parce qu'il n'y a pas encore de vaccin. Mais sinon, il y a des gens qui survivent. Il y a des statistiques par rapport à ça. Je ne sais pas le nombre exact, mais il y a plusieurs personnes qui survivent à ça. Yeah. En tout cas. Mais malgré ça, le flou fait toujours plus de morts que le coronavirus. Tu comprends? That's the truth. Yeah. C'est un genre de flou. En tout cas. Mais il n'y a pas encore de vaccin. Mais on espère que les négociants sont en train de travailler, on compte sur vous. Et si jamais. Oh non, ça là, on a confiance. Vous allez vous faire des millions. On a confiance. Si jamais tu as une compagnie qui vend les sanitizers, les masques, ou je ne sais quoi là-bas, je vais. Free sponsorship, ok? Il n'y a pas que les compagnies qui perdent, de l'argent, il y a des compagnies qui gagnent par rapport à. Bien sûr. Bien sûr. En Chine, là-bas, ils ont commencé. Un testing drive-thru. Mm. C'est comme les fast-food là, quand tu viens dans le drive-thru, tu viens, on te donne le bain. À la place, c'est un testing drive-thru. Genre, quand tu arrives, on te teste. Tu restes dans ta voiture, bah, on te teste rapidement. Ah, ça! Yeah, man. C'est le business, ils ont commencé ça en Chine là-bas. Shout out to them. Oh, yeah, les gars, ils sont équipés, man. Moi, ma peur, c'est si. Pas si c'est des gens en Afrique là-bas, mais si ça se propage encore plus que ça. Je sais pas si on pourra d'abord contenir même ça. Mais bon, on a eu l'expérience. On a quand même un peu d'expérience par rapport à l'Ebola. On sait un peu comment mettre en quarantaine certaines personnes qui ont la maladie et tout le reste. I guess, non, c'est maîtrisable. C'est juste que les gens ont vraiment peur. Ah, ouais, bien.
pas, on verra. On verra. Mais ça a plus de chances de se répandre genre, plus rapidement en Afrique que. Pourquoi? En Chine, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, regarde les coins là où il y a les guerres, man. Ouais. Par exemple. Les populations, personne ne les contrôle, man. À cause de la guerre, ils vont bouger et tout ça, ils vont quitter les gens pour aller dans une autre. Et ils n'ont pas le temps de se faire checker le coronavirus, quoi. I mean, il n'y a aucun contrôle. On ne peut même pas envoyer des docteurs là-bas pour mettre les gens en quarantaine, non, parce qu'il y a la guerre, man. Si ça tombe en zone de conflit, genre, c'est quand même un autre problème. Ah, c'est mal. Et tu sais que quand tu es contaminé, heureusement que j'avais mon petit parachute. Moi, c'est un parachute. Oh, allez. On te dit carrément que moi, j'ai tout un new lifestyle, carrément, genre, ready for this shit. Pour s'adapter. Oh, Mani. C'est ce que mon père m'a appris, genre, très tôt, man. Il m'a dit, celui qui s'en sort, c'est celui qui s'adapte le plus vite. Faut s'adapter. Ouais. On voulait parler du Super Tuesday, non? Qu'est-ce qui s'est passé le Super Tuesday? Moi, c'est seulement que, genre, Bernie et Biden ont gagné dans certains états. Yeah, Biden s'est ressuscité. Et... ont abandonné la campagne. Oh yeah, Bloomberg a abandonné. Et la gauche. Qui ça? Warren. Elizabeth Warren. Ça fait Warren, yeah, je pense. Yeah. Elle a donné ses... Bon, les deux ont donné leur soutien à Biden. C'est à cause de tout ça qu'il est revenu. Ouais. Là, ils ne veulent pas que Jean... comment on appelle ça? Bernie gagne. Parce que Bernie, Jean... Ah, mais que ce soit les républicains ou les démocrates. Parce qu'il y a, une branche de démocrates, des démocrates républicains, là. Donc ceux qui sont légèrement plus conservateurs. Là. Les gars fiers du socialisme, genre de la même manière que les républicains ne veulent pas le socialisme. Donc ils préfèrent endorser Biden. Ah, mais, on va voir. Je ne crois pas nécessaire. Amin. Si Biden passe, peut-être qu'il peut gagner l'élection. Mais si Bernie passe, il ne va pas gagner l'élection. C'est possible. C'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'il est dans le fight. Mais comprenant genre les valeurs fondamentales du pays là, crois-moi. I don't see that happening. Parce que si ça. Et même si ça arrive, tu vois que non. S'il devient président, il va avoir l'une des présidences les plus dites. D'un président démocrate, on va le questionner sur tous ces moves. Genre, il aura genre des blocages sur toutes les routes, man. C'est pas ce que genre Obama a vu là, man, ou Clinton, ou je ne sais pas qui avant lui, man. Lui carrément, on va dire, quand tu nous apportes le socialisme, genre dans le royaume du capitalisme, come on, man. Mais là, il a ses chances. Non, il a de véritables chances. Mais le problème, c'est que le vote pour devenir président, c'est pas le vote populaire. Non, c'est les delegates. C'est les delegates. Et les delegates, genre, ce sont des gens. I mean. Anyways. Je ne suis pas nécessairement un expert en politique. Mais... On sait tous qu'il y a moins de chances de passer que si Biden passe. Biden a plus de chances. Ah, mais c'est bien pour tout le monde, ouais. C'est pas les politiciens qui vont améliorer ta situation dans la life. Hein. C'est à toi-même de prendre des décisions. Honnêtement. Hein. Tout ce que tu vois les autres communautés là faire, genre, c'est eux-mêmes qui s'en sortent. Hein. Eux-mêmes, ils envoient leur jeu dans la politique. Hein. C'est pas assez facile pour personne. Hein.
même parmi les Ouattara eux-mêmes, ils essaient de se faire saluer. Non, c'est pas que les Ouattara eux-mêmes. Ah, tu es un peu là. Je connais plusieurs. Oh, mané. Non, chiffre de gars qui ont perdu, genre. Oh. Ain't nothing sweet, man. Ain't nothing sweet pour les gens. Ils sont carrés, c'est plus doux sur eux. Allez, regarde. L'expérience dans la vie là que genre j'invite tout le monde à vivre, c'est d'aller vraiment chiller genre avec les gars qu'on pense genre qu'ils ont la vie facile là. Genre aller vraiment chiller au point où genre tu ouvres ton esprit, tu vois un peu non. Vraiment chiller avec des gars, man. Y a des trucs genre que toi tu crois c'est des difficultés, c'est vrai pour lesquels genre la vie est plus facile pour eux, tu vois un peu non. Mais mani, là où c'est violent pour eux là, man. Man, tu vas avoir pitié, man. Tu vas avoir pitié, man. Oh. Tu crois que les Ouattara qui vivent dans les trailer parks, ça. Man, tu peux pas comparer ta galère à leur galère, man. What? What? Ton frangin, genre, et on crack, il est en train de vendre tes affaires en case, man. Mais parce que les gens vous voient que vous êtes des Ouattara, ils croient que c'est pas en train de t'arriver, man. Et parce que toi, tu sais déjà que les gars te voient bizarre, tu ne vas pas aller t'ouvrir à eux pour leur expliquer tes problèmes. Ouais. Ouais. Mais bon, le système est toujours plus facile pour eux. Ils n'ont pas du mal à faire certaines choses. Ils peuvent avoir les boulots s'ils veulent. Il y a certaines choses qu'on veut, on veut voir. Amen. L'opportunité que je cherche, c'est de pouvoir confirmer ça, genre, de manière pratique, de voir ça de mes yeux, en one on one. Oh. Parce que man, même si mais on voit ça au dealership là-bas où je travaille, il y a un gars qui travaille. Bon, ce sont des salesmen, tu vois, non? Et il y a l'un des salesmen, c'est un noir. Il a peut-être une affaire de 40-50 trainings. Il travaille pour Cadillac depuis des années. Mais on a jamais promu le gars, le manager. Okay. C'est un blanc qui vient, un petit blanc qui vient à peine de venir là. Il a 22 ans, 23 ans. Il a peut-être fait juste 2 ans dans la compagnie. C'est lui qui devient manager. Ça frustre le noir là. Il m'a dit ça. Okay. Même les Bendel, à cause de leur caillage, elles sont même promues genre, devant le gars. Elle est frustrée, man. Il a tous les trainings, il a seulement travaillé que pour Cadillac, man. Mais c'est même pas une option de. Voici maintenant, genre, là où moi je pose la question, tu vois. C'est vrai. Il y a noir, il y a blanc, il y a genre le fait que les femmes sont plus attractives, n'est-ce pas? C'est les facteurs genre qu'on est en train de mettre sur la table, n'est-ce pas? Mais ce que je suis en train de dire, quand quelqu'un genre tu travailles pour une compagnie depuis des années et que tu as rempli tous les critères nécessaires pour être élevé et que tu n'es pas élevé, soit il y a un critère que tu ne fulfilles pas, tu vois un peu, non? Comme quoi? Je ne sais pas, tu vois, parce qu'on ne sait pas, genre, c'est par rapport à quels critères les gars sont en train de promouvoir les gens. Parce que avoir les certificats, ça peut compter. Justement, les critères, c'est que tu es une bonne go, ou soit tu es une bonne go, ou bien tu es un blanc, un petit blanc qui fait les chiffres. Ça, c'est les critères que nous, on prend. Mais on est en train de prendre ça avec notre propre bias. Parce que c'est le seul truc qu'on peut s'expliquer. Les critères réguliers, c'est quoi? Quand on veut te. C'est ta performance. C'est ta performance, voilà. C'est ta performance au boulot. Le nombre de tes trainings, le nombre d'années que tu as fait avec la compagnie, c'est tout ça, c'est par rapport à tout ça quand on te donne une promotion. Mais il a tout ça, genre, c'est carrément coché, genre, il a un partout. Mais pourquoi lui, on ne lui donne pas de promotion? On ne peut pas anticiper sur la réponse. Mais il a tout ce qu'il faut. Ça, c'est la réponse qu'il va donner facilement. Parce que ici, c'est littéralement la réponse la plus facile à donner, man. La plus facile à donner, man. C'est, à mon avis, c'est là où je vois ça comme un piège, en fait.
Parce que, genre, tu peux littéralement blâmer n'importe laquelle de tes failures sur le fait que c'est le racisme. Il peut bien bouger, prendre ses skills, bouger de Cadillac, genre, d'ici et partir dans une autre compagnie et vraiment vérifier que c'est ce qui le bloque. Il y a les dealerships qui sont run par les Noirs. Il a genre plusieurs options. Il a travaillé dans plusieurs dealerships, yeah. Mais pour Cadillac. Yeah. Juste les dealerships de là où Cadillac se trouve. Ok. Il n'a jamais eu de promotion. Quel est genre, comment est-ce qu'il a performé dans tous les dealerships, ça? Si, il travaille toujours, ça veut dire qu'il est bon. Non. Tu connais des gars qui ont chié, qu'on a fire, qui sont partis dans d'autres dealerships, n'est-ce pas? Yeah, mais à un cap, genre, on ne t'embauche pas, genre, si tu étais bad ailleurs, en fait. How do you know? Mais c'est comme ça, à un cap. C'est même eux qui virent les gens. Tu ne fais pas le quota que les gars demandent, ils te virent, man. Tu sais qu'on le vire. Les gars, ils travaillent déjà. Ça fait déjà un moment. Ça fait plus d'années qu'ils travaillent. On cap, ça, il dit qu'il fait, il fait au moins le minimum. Il fait au moins le minimum. Et il a passé près de 40, 50 trainings. Je te dis ça, toi, ça ne résonne même pas dans ta tête. Non, man, moi je sais que le training n'est pas suffisant, man. What? Moi je sais que, par exemple, quand tu veux promouvoir quelqu'un dans la compagnie, c'est son attitude générale envers le boulot, n'est-ce pas? Genre, est-ce que. Parce que c'est vrai qu'on fait passer les tests aux gens, tu vois. Mais il y a genre des caractéristiques intangibles. Yeah, par exemple, ta chemistry avec le reste de la team. Teamwork. Voilà, tous les trucs là. Est-ce que les gens veulent travailler avec toi? Est-ce que tu es le gars genre qui fait le extra work, genre qu'on ne t'a pas demandé? Est-ce que tu viens on time before everybody, leave after everybody? Généralement, les gens comment on appelle ça? Je ne refuse pas le fait qu'ils... Voilà, c'est des gars genre qui vont au-delà de ce... Voilà, tu vois un peu, non? Pas forcément. Là où je voulais en venir, c'est que je ne veux pas aussi dismiss ton point dans le fait que le népotisme existe. Peut-être que le petit là, c'est l'enfant de quelqu'un, ou bien qu'on le préfère juste plus. Il y a aussi le fait que le racisme peut effectivement être un facteur très influent. Alors je dois avouer que le petit est plus performant. Il est plus performant. Mais c'est juste qu'il a fait que 2 ans, en fait. C'est un nouveau, pas bon. Tu sais que, genre, les boulots là, c'est énormément de politique. C'est ça. Énormément de politique, tu vois un peu. C'est ce qui fait que, genre, beaucoup, donc énormément de situations, man. C'est tellement facile de sauter carrément racisme à souhait. Et le racisme a... Et c'est là que même le racisme est très powerful parce que certains moments, à mon avis, tu vois, tu ne sais pas si c'est la personne en train d'être raciste ou bien si c'est genre une situation que tu dois juste accepter parce que it could happen to anybody, tu vois un peu, non? C'est bizarre, man. Et ça rend les choses tellement ambiguës, mais... Bon, ce que moi, on m'a expliqué, c'est que, en fait, au state ici, c'est un système, tu vois. Et dans le système, il y a un certain nombre de gens qui doivent avoir, genre, la position, si tu veux. Yeah. C'est du genre, on donne des priorités aux gens, à certaines personnes. Il y a plus de priorités aux blancs. Dans une compagnie, en fait, il y a un nombre de blancs qui doivent travailler pour la compagnie, un nombre d'hispaniques et un nombre de noirs. C'est comme ça, en fait, le système d'esthétisme. Mais du genre, si on prend par exemple 100%, le nombre de blancs va occuper au moins 60% à 70% de la compagnie, le reste c'est les minorités. Yeah. C'est comme ça. C'est ça que les blancs ont la priorité, mais ça c'est toujours genre une forme de racisme. Je ne suis pas sûr. Il faut que je m'informe plus au niveau de la conversation là. Parce que c'est qu'il y a des diversity laws, genre que les gens veulent fight. Parce que ça force les compagnies à engager les gens par ratio, en fait. Par ratio. Mais le problème, c'est que, genre, une compagnie ne devrait pas avoir engagé les gens par ratio ou par diversité, genre de couleur. C'est par, genre, leurs skills, en fait.
Yeah, mais c'est pas comme ça ici. Mais I mean, of course, parce que même les compagnies de pétrole, c'est la même chose là-bas aussi. Parce qu'il y a plusieurs bias qui s'appliquent. Il y a genre la personne qui est en position, par exemple, de hire, peut-être a un bias culturel, tu vois un peu. Donc il va engager des gens qu'il peut facilement comprendre en fait. Ou bien il peut avoir genre, la personne peut être littéralement raciste. Ou bien, I mean, il y a tellement de ways, man. Il y a tellement de ways. C'est pas genre une science exacte, c'est plus un art. Yeah. Et bon, tu mixes ça avec la politique, ça te sort une concoction de légende. Parce que même au bled, quand tu y penses au bled, genre. C'est pareil. C'est les ethnies. Voilà. Tu vois un peu, non? It's a special kind of thing. On est même retombé dans le sujet là comme. C'est combien les jeunes. On va parler de super Tuesday. Il y a de la politique. Ouais. Il y a eu le Women's Day. England 15. Il y en a plusieurs, on a déjà parlé de ça même. Ah bon? Ouais. Ok, c'est vrai qu'on a. Il y a une seconde. Women's Day, c'était quand hier. C'était hier, non? Yeah, Women's Day, c'est le 7 mars. C'est par rapport à quoi? Oh, c'est la fête de la femme, man. Ah, c'est la fête de la femme au state. Women's Day? C'est Mother's Day. Non, Women. C'est Women's Day. Yeah, femme. C'est pas la fête des mamans, c'est la fête de la femme. Combien de fêtes, man? C'est une grande différence, c'est pas toutes les femmes qui sont les mêmes. Alors, combien de fêtes? Est-ce que quand c'est la fête de la femme, genre, est-ce que les mêmes femmes qui n'ont pas de leur enfant là ne clapent pas aussi ça? Et ils vont réussir. Discuter par rapport à ça. C'est là que tu vas voir dans la comment section carrément, elles viennent se pointer avec des insultes qui piquent. Ouch! Je sais pas. J'ai pas fait de recherche sur l'événement, pourquoi ils ont décidé que ça soit la fête de la femme le 7 mars et tout ça, je sais pas. En tout cas. Mais on sait très bien que les femmes jouent dans la société. En tout cas. Si tout le monde joue un rôle important dans la société, man. Tout le monde joue un rôle important, man. Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Elles étaient trop marginalisées. C'est pas partout, man. C'est pas partout, c'est pas genre une valeur absolue, man. Amen. Quelque part, je